Bonjour et bienvenue sur JNZ Insport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Il faut mettre en place une vraie politique de développement du football par la formation et investir dans les infrastructures de base. Charles Mbouya. Crispin Mbadou, le nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et du Plan, a rencontré Chancel Mbemba et Edo Kayembe pour parler de la création et la construction d'un centre sportif de football à l'image de Clairefontaine en France. Rencontre avec le capitaine de l'équipe nationale de football, les Léopards, Chancel Mbemba et Edo Kayembe. Au menu des échanges, la création et construction d'un centre sportif à l'image du centre du football français Le Temple, à Clairefontaine. A-t-il écrit sur son compte Twitter. Le modèle de formation marocain devrait peut-être inspirer la RDC. Quatre joueurs au destin fabuleux qui ont passé 5 ans ici à naviguer entre terrain et salle de classe. Voici ici les installations de l'académie Mohamed VI. 4 terrains, 2 synthétiques, 2 herbes et puis un 5e réservé pour les entraînements des gardiens. C'est ici que tous les joueurs de l'académie de 13 à 19 ans sont formés dans des conditions équivalentes à celles des plus grands clubs européens. Les joueurs de l'académie sont recrutés très jeunes dans tout le pays. Les meilleurs potentiels marocains sont là, 98 jeunes au total. Et tout est mis à leur disposition pour réussir, préparateurs physiques, entraîneurs, analystes vidéo. On travaille sur tous les volets pour développer le jeune et c'est comme ça qu'on le prépare pour qu'il soit vraiment capable demain de jouer au play. Comme ça qu'on le prépare pour qu'il soit vraiment capable demain de jouer au plus haut niveau. Évoluer au plus haut niveau. L'Académie Mohamed VI de football est un centre de formation de football marocain inauguré en 2009 par le roi Mohamed VI. À la suite du constat que le football professionnel marocain manquait de souffle et de rayonnement, le roi Mohamed VI propose la création d'un centre de formation qui serve de modèle national en s'alignant sur les modes de gouvernance en vigueur dans les clubs de football internationaux, tant sur le plan juridique, de la formation, de l'encadrement, du financement et des infrastructures. Le 14 mai 2008, le roi Mohamed VI annonce la construction de l'Académie Mohamed VI de football, un projet dont la construction nécessite un investissement de 140 millions de dirhams, 13 millions d'euros. Les formations sont d'une durée de 7 ans. L'académie fonctionne sur un modèle sport-études similaire au centre de formation européen. Les formations se divisent en 3 sections. Pré-formation pour les minimes, 12 à 14 ans. Spécialisation pour les cadets, 14 à 16 ans. Professionnalisation des juniors, 16 à 18 ans. L'objectif est de former les élèves au métier de footballeur professionnel, de produire des joueurs de qualité internationale. L'Académie est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif. Tous les bénéfices générés par des ventes de joueurs sont réinjectés dans l'Académie, ses infrastructures et ses nouvelles recrues. À caractère social, l'Académie a pour ambition de détecter les meilleurs joueurs toutes catégories sociales confondues, ce qu'elle fait à travers un réseau de détecteurs permanents présents dans chaque région du pays.
L'Académie Mohamed VI de football propose également une école de football pour les 6 à 12 ans, école qui compte 800 élèves et dont l'intérêt est d'offrir un enseignement footballistique de qualité et de repérer les jeunes talents. L'Afrique a un potentiel tellement énorme qu'il faut vraiment en profiter pour développer l'éducation des enfants et faire avancer les compétitions chez les jeunes. C'est extrêmement important. Arsène Wenger. Les images que vous voyez sont celles d'un complexe sportif construit par l'entreprise turque Milvest au niveau de l'école Mohamba, à l'université de Kinshasa. Milvest, c'est l'entreprise qui a construit le centre financier de Kinshasa. Elle est en train de construire actuellement Kinshasa Arena. Pourquoi ne pas confier la construction d'un centre national de football à cette firme turque qui a déjà fait ses preuves au Congo? En plus, ils ont investi dans le football local avec l'AS Vita Club. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ Un Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.